Distribution de tracts et sensibilisation cet après-midi à l'intersection de la RN165 et de la RN164. Une cinquantaine de personnes ont répondu à l'appel d'État critique mobilité, une émanation des Gilets jaunes. Le mouvement citoyen souhaite alerter sur la loi LOM et deux de ses amendements qui visent à faciliter la privatisation de routes nationales au profit des concessions autoroutières. Un changement législatif qui inquiète en Finistère. C'est écrit nulle part que ça se fera pas en Bretagne. Si ça se fait ailleurs, ça se fera ici aussi. Et les processus sont les mêmes. Ici aussi, on a des gros travaux engagés sur les routes. Ici aussi, on a maintenant des gros travaux où l'État se désengage, comme sur le contournement de Saint-Brieuc, où l'État s'est complètement désengagé et a laissé seules les collectivités de régions et départements se dépatouiller avec les financements. Forcément, ça va arriver chez nous. Pour l'heure, 700 personnes ont déjà rejoint la page Facebook d'État critique. Mais selon les élus de la majorité, il ne devrait pas y avoir de polémique. Pour que la route nationale devienne autoroute, il faut qu'elle soit contiguë, c'est-à-dire dans le prolongement d'une autre autoroute. Donc dans le Finistère, dans les Côtes d'Armor, dans le Morbihan, ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'autoroute, donc on ne peut pas prolonger quelque chose qui n'existe pas. Et par ailleurs, l'amendement précise aussi que si jamais ça se faisait, ça ne peut se faire que sur 30 km. En 1969, le général de Gaulle avait fait la promesse de la gratuité des routes en Bretagne. 50 ans plus tard, et après la mobilisation des bonnets rouges en 2013 contre l'écotaxe, le sujet reste sensible.